au roi des siècles. Nous bénissons, Seigneur, à Soya. Nous bon gloire, honneur, même seul mérité, Seigneur. Avant, pas gagné, à propre, jamais gagné, yon l'autre Dieu, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur. Nous descendons bien bas devant Majesté bénie. Nous par contre qui mot, qui langage pour nous t'employer à Soya, Seigneur. Pour nous ta remercier pour fidélité envers nous, Seigneur. Pour nous ta remercier, Seigneur, pour l'amour qu'on a gagné pour nous-mêmes, Seigneur. Et l'amour que nous pas mérité, Dieu d'amour. Comment nous pas ta remercier à Soya, Seigneur, pour souffle de vie qu'on ban nous à Soya, pour nous camper sous des pieds, nous, Seigneur, que nous a fonctionné bien, Seigneur. Amen. Comment pour nous pas ta remercier, Seigneur, malgré plein ennemi en fait sous la vie, nous, les consacres, c'est dans un centre psychiatrique pour nous tailler. Les consacres, c'est dans la rue pour nous tailler. Soit nous ramasser, manger, et qui n'a de l'eau sale, qui n'a poubelle pour nous ta manger, Seigneur. Mais, Seigneur, provision ça, ou pas d'accord, Seigneur, parce que son est coulé sur la croix pour nous-mêmes. C'est ça qui fait nous camper après-midi en crier, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. À soi, Seigneur, nous remercions pour grande grâce, Seigneur. Nous remercions pour l'Église, pour place, Seigneur. Nous remercions, Éternel Dieu, pour leader. Nous remercions, Seigneur, pour vision, pour grand thème, ça, qu'on baille. L'église côte plage qui dit la vision de souffle nouveau. À ce que Seigneur, nous pas connaît côté côte plage. Yé Seigneur, est-ce que c'est dans parmi ossements yo lié Dieu d'amour? Est-ce que c'est dans fond l'en mer que l'église côte plage? Yé Seigneur, même connaît you a gay ou you ainsi parle l'Éternel pour que l'église côte plage ca réveillé. Ça veut dire que sous bail grand thème ça Seigneur, ça veut dire que espoir pour nous-mêmes. Amen. Que espoir pour nous-mêmes. Bonjour de restauration pour de l'église côte plage qui pour restaurer pour de nous chacun qui fait partie de l'église là qui pour restaurer à soi et nous croyons certes éternel Dieu pour de nous coucher à pour de nous y à Dieu d'amour qui nous ainsi parle l'Éternel pour nous tendre voir qu'après nous cap dit lever quand nous coucher à Seigneur. Donc, merci Seigneur parce que c'est bon Dieu, merci parce que Seigneur vous fait provision ça encore une fois pour nous mêmes Seigneur. Nous agenouillons bien bas, qui campe, qui est dans Dieu, et qui descend, qui coupe tête, yo Seigneur, cap la prière. Oh Seigneur, yo posterne bien bas devant trop nous, à soi à Seigneur, pour yo dire merci, et en même temps, nous demandons pardon pour faute nous, yo, pardon pour iniquité nous, yo, Dieu d'amour, pardon éternel Dieu pour nous, ça nous fait, qui pas bon devant Dieu, pour te mettre, ça mais nous toucher, le pas de toucher, pour te piller, nous aller, le pas de aller, Seigneur, pensez nous qu'on allait au-delà de vous-même, éternel Dieu. Nous demandons, Seigneur, à soi, pardon pour manquement nous, pardon pour désobéissance nous, à soi, Seigneur. Nous connaissons pas dit, nous connaissons pas bon Seigneur. Mais nous demandons, Seigneur, nettoyez-nous, mon Dieu. Nettoyez-nous, Seigneur, parce que vous pas qu'à naviguer en dedans ou quoi qui a un virus. Mais puisque, éternel Dieu, vous avez un plus gros antivirus qui est capable de déraciner tout virus qui est dans la vie, nous, à soi. Amen. Nous demandons, Dieu d'amour, retirer tout virus qui est dans la vie, nous, Seigneur, afin que pour nous capables de bon vaisseau pour capable naviguer en dedans nous Seigneur, pour capable boire de l'eau à travers nous Seigneur, pour que grâce ou ka couler en dedans la vie nous soya, parce que grâce pas couler en dedans au cœur mon corps qui est grâce Seigneur à soi Seigneur, mais que nous percer que d'amour, ou qu'on chaque grand monde qui chita là, ou qu'on chaque grand monde qui a venu, Seigneur, ou qu'on est au mieux que nous-mêmes. Nous demandons, Seigneur, t'en prie, papa, lavez-nous à soi, purifiez-nous, sanctifiez-nous, justifiez-nous à soi, Seigneur, afin que pour nous capables de devant, Seigneur, pour capables de recevoir prière, nous, pour capables de recevoir offrande, nous, tout ça que pour faire en dans service, ça, Seigneur. Nous levez au bas, ou à soi, dirigeant, Seigneur, qui campe là, nous demandons, Seigneur, fait qu'elle retire lui-même dans lui-même et place à travers le Seigneur et côté au bout des ondes chaque monde sait qui couchait sous cabane de l'hôpital sait qui a fessé ça au Seigneur qui sorti pas capable encore ça au soir qui prend une corde pour prendre tête yo à soya soit qui prend éternel Dieu prend un poison et au bout des ondes ça Seigneur nous connaît Seigneur dirigeant campé là Seigneur même si son seul chanté Seigneur monde sait éternel Dieu va toucher Seigneur chorale qui vient pour chanter n'a demande au Seigneur t'en prie papa déjà prend
place dans service là. Oh Seigneur, ingénieur de son yo, chaque grain musicien nous yo, nous mandons Seigneur entrer dans yo même éternel Dieu, retirer yo même dans yo même et chaque coup de guitare qui cabba éternel Dieu, nous mandons pour accorder dans yo même piano à keyboard là, tambourin éternel Dieu amen. Nous mandons entrer dans moun sa yo cap jouer pour même dans Seigneur pour pas jouer, pour jouer mais pour jouer pour même seul parce qu'on même seul mérite la gloire et l'honneur Seigneur. Nous levons éternel Dieu message nous bah éternel Dieu quand nous te senti nous bénis hier soir Seigneur tes grandes provisions spéciales qui t'est faite pour l'église côte plage côté éternel Dieu. Oh Seigneur où agis de façon invisible, imprévisible, incompréhensible, indivisible éternel Dieu. Et à soir Seigneur nous demandons Dieu d'amour puisqu'on agit ainsi et pour qui ça nous peur, pour qui ça nous peur la nourrité, pour qui ça nous senti nous bouquet, pour qui ça nous senti nous pas capable. Puisqu'on agit ainsi, Seigneur, t'en prie, papa, t'en prie, prédicateur qui vient pour camper à soi, à Seigneur, nous demandons Dieu d'amour, entrer dans lui-même, éternel Dieu, nous connaissons, Seigneur, pour notre provision qui fait pour nous-mêmes, des bâtiments de la chair et les sangs, la côté lié, amen. Nous demandons pour toucher lui, Seigneur, parce que il y a des gens qui sont dans le temple à soi, qui sentent, éternel Dieu, ils ont desséché, qui sentent, ils ont couché et parmi les ossements desséchés, yo. Mais ils ont besoin aussi par l'éternel. Pour qu'il éveille ou assoie à Seigneur. Dans le monde de Dieu d'amour, prédicateur en amène, au pasteur nous en amène, chaque monde, monde qui fait lecture, éternel Dieu, nous lève le bas au Seigneur, pas qu'il te fait lecture pour faire, mais éternel Dieu, en dans lecture ça, va y monde qui va bénir Seigneur. Nous demandons au Seigneur, nous pas qu'à inviter en dans service là, mais puisque l'église, la temple lancée pour vous, nous connaissons déjà, chita déjà, parce qu'à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À ce moment, Seigneur, nous connaissons pas où déjà chita, déjà blahi en assemblée à Seigneur, amen. Nous connaissons, Seigneur, déjà chita, ou déjà prend position, Seigneur. Oh Dieu d'amour, merci pour grâce. Merci, Seigneur, d'être content de nous. Merci, Seigneur, déjà là. Merci, Seigneur, tout ça qui est pour fête. Seigneur, ou déjà là, caméra manio, nous levez bas ou radio, nous levez bas ou Seigneur. Merci pour Radio Lumière, à soi. Et comment pour nous pas dire merci, Seigneur, pour te gen moun, dans tout continent, yo kap tande à soi, Seigneur, amen. Kap tande service ça, c'est par le moyen de la Radio Lumière. Nous remercions, Seigneur, nous remercions encore une fois. Merci pour grâce, merci pour fidélité, merci, Seigneur, pour tout ça que pour le fait, ou déjà là, Seigneur. Nous prions ainsi. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous continuons à adorer le Seigneur. Et dans le numéro 124, et accompagné toujours. Numéro 62, toujours, créole de son espérance avec Sœur Louis. Moi, t'es fin perdu, mais Jésus t'a sauvé. C'est Jésus qui sauve moi-même avec ou à soi, qui fait nous capables là. Fait que vous êtes content parce que son monde qui sauve. A toute force, tout cœur, on va chanter dans la minute ça. Moi t'es vite perdu, mais Jésus t'es sauvé. Yeah.
verset 1er à la fin. Romains chapitre 12, verset 1er à la fin. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une haute opinion, mais de révertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a débattue à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité, que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Plairez avec ceux qui plairent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ceux qui élevés, mais laissez-vous attirer par ceux qui sont humbles. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu ramasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par les bien. Parole du Seigneur. Nous y venons un moment, côté que nous allons accueillir, groupe avec chorale qui est pour produire un service à voix soya. Nous avons demandé à la chorale Gerbe au Dieu fort, GDF, de l'église indépendante de Belle-Victor, est capable de placer ou pour capable offrir nous deux morceaux dans le service à Poissoya. Et quoi, ça est dirigé par le maestro Patrick Levasseur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, en haut.
Avec vous, la chorale Teila Despo. Il y a deux morceaux. Il y a sorti dans l'église West H. Et dans la chanson 34, le maestro Richard. Je pense qu'il est capable d'offrir nous deux morceaux. Premier est pour titre, dis mon Dieu, fais-vous saint. Deuxième est pour titre, bénissez l'éternel.
maman de ou aider.
Spécial, nous pour aller prier pour la prédication de ce soir et m'a demandé une parole. Encore à soyez le Seigneur veut parler avec cœur à travers son serviteur. M'a donné une parole encore à soyez. Et soir vous t'avez écouté et vous t'êtes béni. Encore à soyez, vous venez pour écouter, vous venez pour bénir. Vous venez pour instruire dans la parole, bon Dieu. Seigneur, nous vous remercions pour cette soirée. Merci pour chacun de nous qui est là. Pour nos amis, auditeurs, auditrices qui recevront nous un peu partout à travers ce pays d'Haïti. Et nos internautes à travers le monde, nous vous remercions. Merci pour cette première partie de ce culte. Et les arrivés pour nous écouter ou parler avec nous. Parler. Seigneur et serviteur yo à côté. Merci parce que pour moi cet esprit vous êtes Seigneur communiquer serviteur sa politique peuple assoya. Au nom de Jésus, nous prions. À lui soit la gloire, la louange, la majesté et la magnificence au siècle des siècles. Amen. La paix bon Dieu avec vous. Bon Dieu béni. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La vision d'un souffle nouveau. Le Seigneur voulait vous retrouver dans la vision ça. Amen. Hier soir, tu es béni. Pendant toute semaine, ça, tu as béni. C'est une semaine tout à fait spéciale. Est-ce que nous avons été béni hier soir? Eh bien, hier soir, nous allons continuer à béni. Eh bien, hier soir, encore, c'est le pasteur. Dieu donné Raymond qui est chargé de nous délivrer la prédication de la parole de Dieu. C'est pasteur de l'église baptiste de la Bible à Boston. Chrétiennement et chaleureusement accueillons le Saint-Esprit de Dieu. La paix soit avec vous. Nous avons pris la Bible encore dans Ézéchiel, chapitre 37. Et nous lire encore les versets qui nous concernent, les trois premiers versets à soir. Et pour nous capables de continuer des marches, nous, dans cette vision et d'un renouveau, d'un souffle nouveau. La vision d'un souffle nouveau. Et 37 que vous connaissez bien, qui dit « La main de l'Éternel fut sur moi
Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Bon Dieu béni, parole. Père des cieux, nous avons besoin de soir pour communiquer par Wolo. Nous avons demandé pour faire place vide dans nous. Et dans nous, ça y est au côté à la radio, ça y est qui dans ce sanctuaire. Et nous demandons que par Wolo, capable de changer que nous pour ce renouveau dans le nom de Jésus. Nous en prions. Amen. Après, bon Dieu à vous. Donc, je souhaite comprendre que nous avons une majorité de jeunes. Et si je ne me trompe pas, 90% de jeunes, s'il va plus, je souhaite. Mais d'une façon ou d'une autre, le message vous concerne quand même, parce que l'Église de demain elle sera entre vos mains. Et hier soir, nous devons comprendre à travers le texte, le thème, la vision d'un souffle nouveau que bon Dieu toujours actif, bon Dieu toujours présent dans la vie, dans l'histoire, peuplé, peuple qui portait non li. Et pas n'importe qui peuple li agit. Li toujours là, même l'on pas well, même l'on pas sentil, même l'on pas connaît qui le l'a intervenu, mais li présent, li là dans toute situation. Li était là pour Ézéchiel en exil, li était là même après et Israël transporté en exil et te trouvé dans une vallée comme étant mort, dans une vallée comme décrit par le prophète et des ossements desséchés. Tu commencé à faire en pile démarche dans cause sa boue et li ça prouve non que c'est le peuple d'un Dieu vivant décédé mais sans funérailles li pas chanté et là abandonné dans une vallée et par ses captifs en Israël tombé dans une profonde désespoir et dans une profonde perte d'espérance et puis li par où côté la sortie elle était considérée comme étant des ossements desséchés en d'autres termes il était mort spirituellement. Mais il faut comprendre que c'est pas plus gros panne l'homme qui a gagné, c'est pas panne l'argent. C'est papa, monsieur, madame, c'est papa, finance, puis gros panne que l'église a gagné, c'est papa, local, il a besoin pour l'adorer. Est-ce que building, yo, c'est pas yo même vraiment qui c'est l'église là? Puis gros panne, les hommes, ou bien l'église a gagné, c'est l'elle déconnectée avec présence divine. Bon Dieu, est-ce que l'Église l'a même? C'est leur déconnecté spirituellement. On doit comprendre ça à travers le souffle. Et on doit dire que les Adam, bon Dieu fin créé Adam, les souffler dans les narines d'Adam et Adam devient une âme vivante. Il vient l'esprit dans lui. Alors, il vient souffle dans lui.
et les vignes y ont être animées. Et de ce fait, il était capable de servir, il était capable de produire, il était capable de grandir, il était capable d'augmenter en nombre, il était capable d'augmenter en connaissance, il était capable d'augmenter en sagesse, il était capable d'augmenter en puissance parce qu'il avait le souffle. L'air d'un jeune souffle, ça, l'état vive dans une forme de perfection. Ce qu'on appelle les théologiens l'innocence, dans un temps d'innocence. L'hypat a besoin le grand souffle divin, parce qu'il était dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, avant le péché. En d'autres termes, l'hypat a besoin, ça me veut dire, le grand souffle, l'hypat a besoin le Saint-Esprit de Dieu, en ce temps-là. Dans le moment ça, dans le temps ça, parce qu'il avait le souffle de Dieu et il n'avait pas encore péché et il était dans la présence de Dieu. Donc, il n'y a pas de nécessité pour que bon Dieu maintenant dépose dans lui la présence divine de son Saint-Esprit de Dieu. Donc, on comprend ça. Maintenant, l'elvine péché. Maintenant, après avoir péché, lui péché en esprit avant tout. Et le péché en esprit, lui perdu contact là, lui perdu relation. Hein. Et c'est alors que bon Dieu pourrait faire provision pour l'homme. Les l'homme perdu connaissance là, lui perdu contact là, dans le premier Adam. Hein. Bon Dieu pourrait faire provision dans le dernier Adam qui pour ranger. Connexion, hein, et cette connexion encore sera faite par un souffle. Et ce souffle, on l'appelle le Saint-Esprit de Dieu vivant. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de besoin. Mais l'elfine péché, bon Dieu dit, well, puisque l'homme péché, donc il faut que moi connecte l'ensemble avec moi, et c'est alors que maintenant, il mettait l'homme dehors dans le jardin d'Éden. Et maintenant, elle met l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme était mort spirituellement parce qu'il ne pouvait plus vivre dans la présence divine de Dieu. Quoique, je vous disais hier soir, on est tous dans l'omni et devant l'omniprésence de Dieu. Mais tout le monde ne vit pas dans la divine présence de Dieu. Il faut une relation avec le Fils. Et c'est alors que le Fils va le commander maintenant à ce qu'il y ait un consolateur capable de descendre pour venir prendre place. Et ce consolateur sera un autre souffle. Et ce souffle dans la personne du Saint-Esprit de Dieu qui va habiter, demeurer, posséder ou et puis maintenant qui pour faire bagaille au marché. Est-ce que l'église avait là? Donc Israël, ici, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit. Voici le souffle. Par le souffle divin de Dieu. Encore ce même mot souffle que je vous disais hier soir, qui dans la même racine, dans la même famille, c'est vent. On a commencé par un petit détail de vent. Et puis maintenant, c'est souffle. Et puis, c'est esprit, petit E. Et puis, c'est Saint-Esprit, le grand E. Et puis maintenant, c'est la disposition de main. Et puis, Job dit non que maintenant, c'est aussi l'œuvre de l'intelligence. Et c'est ça qui fait que l'homme péché, maintenant, il a écouté la voix de Satan. Il voulait avoir de la connaissance. Il voulait être comme Dieu. Maintenant, ayant la toute connaissance que Dieu avait. Et maintenant, il avait péché. Maintenant, de ce fait, et maintenant, c'est alors que Dieu pral mandel pour, maintenant, les bons dieux pral faire provision
de ce souffle divin. Et ce souffle aussi, il symbolise l'intelligence de Dieu. Intelligence de Dieu. Ou capable très brillant l'école. Oh yes, extrêmement brillant. Puis là, nos jeunes, ça y est, là, nous brillons l'école. Ou qu'on esprit extrêmement développé. Mais cet esprit qui fait de vous un être intelligent, et si vous n'avez pas Dieu en vous, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, votre intelligence, quoique bonne pour vous-même, pour la société de demain, mais il n'est pas utile, bon Dieu, en rien. Et puis il n'est pas qu'à connecter avec bon Dieu. Ou mettre fort, parce que fort ça me taconne, hein, avec intelligence qu'on gagne. Hein. Bon Dieu, baoul, c'est vrai. Dans la chair, c'est vrai. Mais lorsqu'on va rentrer dans le domaine spirituel, là, où il y a besoin d'un esprit spirituel qui vient de Dieu. Et c'est cet esprit qui va le connecter avec bon Dieu. Tendez ça. Bon Dieu, pas qu'à gain contact avec l'homme, bon Dieu, pas qu'à gain communication avec l'homme, bon Dieu, pas qu'à relier avec l'homme, parce qu'il est esprit, Dieu est esprit, et parce que bon Dieu esprit, il a besoin son Saint-Esprit qui est capable de mettre, faire un pont entre lui-même avec l'homme, pour gain contact avec moi, pour gain contact avec, pour parler avec, pour gain communication avec, pour communiquer avec, pour bon Dieu gain relation avec. Il faut que ou posséder son souffle dans la personne de son Saint-Esprit. Est-ce que l'Église est avec moi? Il est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en. Il n'a pas gagné aucune relation avec. Il n'a pas gagné aucune relation avec aucun peuple qui pas gagné cet esprit-là. La Kaeli. Est-ce que l'Église comprend mal là? Est-ce que vous parlez du souffle? Vous parlez de la vision du souffle? La vision du souffle, c'est le rétablissement de Dieu à l'homme par le moyen de son Saint-Esprit, le souffle divin. Israël mort, Israël décédé parce que il est déconnecté. Dans la déconnexion, il a perdu relation avec bon Dieu. Et de ce fait, il était complètement mort, desséché trop longtemps. Il est si tellement déconnecté longtemps, ses ossements étaient, de ça hier soir, oui, complètement desséché. Il est si tellement déconnecté, il vient sèche par force, pas rien écrit dans lui. Et bien ces mêmes gens, les gens moun déconnectés avec bon Dieu, sous n'importe quelle forme, ou bien depuis en Adam, ou bien on était l'église, et vous te font passer l'église, ou te finissez jouer l'église, ou bien te finissez jouer musique l'église seulement, ou bien te finissez battre batterie, ou bien te finissez chanter dans la chorale, et puis après 2-3 mois, ou bien 2-3 ans, et puis on pas ouais, et puis on a monde là, et puis on a grené tête, et puis on pas jamais ouais, ou si tellement rete dans monde là, pour si tellement longtemps, ou vin sèche. Mais il faut comprendre que ce n'est pas chanter l'église qui a connecté toi, bon Dieu. Ce n'est pas jouer l'église qui a connecté toi, bon Dieu. Ce n'est pas jouer la musique qui a connecté toi, bon Dieu. Mais c'est cet esprit, bon Dieu, qui connecte toi, bon Dieu. Yes, il est bon. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de jouer pour Dieu, mon frère. Il est bon maintenant de jouer. Il est bon de chanter pour Dieu. Il est bon.
moment de manifester la présence de Dieu dans tout gens, on va une manifestation dans cette scène, dans jouer, dans chanter chorale. Mais ça qui est important pour bon Dieu, là il a besoin de communiquer avec vous, là il a besoin de relation avec vous, c'est le souffle de son Saint-Esprit. Il y a un autre moyen. Et le Saint-Esprit vient dans la vie, tout bagaille est possible. Vous avez dit samedi là, le Saint-Esprit domine la vie, il domine la vie, tout bagaille est possible. Parce que bon Dieu dans moi, m'ka le côté m'blé, m'ka pile côté m'blé, m'ka rentrer côté m'blé, parce que bon Dieu dans moi. C'est ça le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Non, c'est ça qui fait le commencer là ici pour dire. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit. La Septante, traduit de l'autre façon, qui a dit que l'Esprit, l'Éternel m'a transporté en esprit. Comme si que le prophète n'est pas déplacé côté lié. Et la Septante t'a dit que bon Dieu prend Ézéchiel, il transporte en esprit, mais le chita côté le chita, mais l'esprit voyageait jusque dans la vallée des ossements. Ma prêtre souli, m'guite le con ça. Je continue et me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de constat. Observation. Et ensuite, vous voyez, ça commence avec l'esprit. L'esprit transporté. Le souffle a transporté Ézéchiel. Et puis, bon Dieu vient poser Ézéchiel une question. Pour lui dire, well, Ézéchiel, non, qui sont pensés de situation ça là? Non, gardez bien pour vous. Vous voyez, les ossements sont si tellement sèches. Et non, ils sont si tellement secs, ils sont desséchés. Complètement yo blanchi. Et il dit, well, bon, non seulement yo nombreux, mais qui sont pensés? Fils de l'homme, ses os pourront-ils revivre? Est-ce que gon bagay qui a fait? Comment ça yo? Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Mieux texte avant. Éphésiens chapitre 4. On a tourné ce texte, nous. Voici, ça Paul décrit comme moun qui déconnecté. Moun qui totalement, complètement déconnecté. Verset 4. Mais ça y ressemble. Verset 17. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mon cher Jean, vous voulez. Yo marché, Jean yo vle, yo comporté, yo Jean yo vle. La dit Paul qui a exhorté les églises d'Asie mineure par moyen Éphèse et les autres églises d'alentour que yo pas doué marcher comme les païens. Voici ce que les païens ressemblent, les a marché selon pensée yo, selon cœur yo, non pas selon l'esprit. Regardez, je verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Mais ça me t'a parlé là que le souffle encore c'est symboliser l'intelligence, mais leur intelligence malgré ou gain en pile connaissance, malgré yo gain en pile intelligence, malgré y a brillé de yo, mais la Bible dit intelligence yo obscurcie. Yo pa wè pi loin parce que ça yo wè nan livre qui devant yo a, mais
gagner bagaille qui plus grand dans bon Dieu, yo pas ka connaître parce que intelligence yo obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Yo pas moun bon Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu et ensuite à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas de relation avec bon Dieu. Ils sont déconnectés avec bon Dieu. Dans le premier Adam, depuis dans le premier Adam, ils sont déconnectés avec bon Dieu. Ils n'ont pas gagné l'intelligence de Dieu. Leur intelligence est obscurcie. Et ça fait ce doute à l'heure. Même sous fort parce que tout le monde, ou brillant parce que tout le monde, ou en connaissance, comprendre qui réellement grande en toute matière gagné intelligence ou obscure si l'or pas gagné bon Dieu dans la vie. Et ensuite il continue, c'est à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont endurci cœur. Il va bien entendre parler de bon Dieu. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, on a dit, ils ont perdu toute sensibilité qui que yo gen besoin pour yo ka senti que gon vide la kayo. Yo perdu toute sensibilité, même les bon Dieu parler, même les l'esprit parler, même les l'esprit convainc, yo pas gen sensibilité. C'est même j'avec les os. Maintenant d'Ézéchiel, maintenant dans que Ézéchiel a constaté là, yo si tellement blanchi, yo si tellement déconnecté, yo pas gen aucune sensibilité, même les bon Dieu parler, il n'a pas sauté, l'esprit n'a pas ouvert, ouvert, pas de rien dans yo, il a perdu tout sentiment, il a perdu tout contact, pas de relation du tout, il est si tellement loin de bon Dieu, n'importe ce qu'a dit, même l'esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement, il n'a pas joindre rien, pas de réponse dans la yo. Et en perdu tout sentiment, ils se sont livrés, ça a passé, au dérèglement, à la débauche, dans tout plaisir sensuel, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Eh bien, c'est ça qui passe, les gens déconnectés avec bon Dieu, fort par fort, intelligent par intelligent, ou obscurci, ou perdu toute sensibilité, ou même qu'à côté mal à radio maintenant qu'on y a, qui pas gain Jésus dans la vie, d'ailleurs, il faut comprendre que bon Dieu pas qu'à gain contact avec eux, si que lui pas établi cet esprit entre ou même avec elle pour le capable relater. Bon Dieu pas capable avoir. Et ça fait frère, gain quelquefois, c'est pas où bon Dieu parler, son l'autre lui voyait parler, ou parce que ou bloqué, lui n'a bloqué. Cet esprit, bon Dieu, pas à l'œuvre. L'église, bon Dieu, bloquée. L'église, bon Dieu, a mouru. Premier côté, pour leader, garder. Est-ce que présence divine, bon Dieu, à l'œuvre, la caille, l'autre leader qui est dans l'église? Est-ce que l'église est avec moi là? Parce que c'est là qu'on a commencé. Si l'idée est mourue, l'église bon Dieu a mouru. Et si l'église bon Dieu est mourue, maintenant, l'elle mourue, où mettre les, où mettre chanter, où mettre pomper, si c'est pas par cet esprit bon Dieu, pas rien monter, ti mari, pas monter, ti mari, pas descendre. Ouais, tenez ça. Mouvement petit parenthèse. Je passe plusieurs côtés dans plusieurs églises. Bien des côtés, je passe moins que cet esprit bon Dieu là. It's not here. Je ne vais pas parler ici. Fais attention, je ne vais pas parler anglais. Ah. Ou pas sentir, ou pas well. Li pas vivant. Li pas réel. Les consacres, c'est moins avec au cap d'accord nous. Laissez pas cet esprit bon Dieu qu'à l'œuvre.
nous battons con nous, nous saccagez con nous, nous fatiguez quoi, là nous fin fatiguez quoi, et puis les oreilles nous pas même ouvert pour tant de paroles, bon Dieu, parce que nous perdu toute sensibilité. Parole n'a pas joué un côté pour le passé. Le Saint-Esprit, bon Dieu, pas là. Ce n'est pas facile. Et je trouve que ce n'est pas trop facile qu'on parle du ministère, de la présence, de la puissance, de l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans nos églises protestantes. La majorité là-dedans. C'est comme si la troisième personne a mis de côté. Sous parler de lit ou c'est Pentecôte. Sous parler de lui où c'est l'église de Dieu et puis lui mépriser. Moi je lis des livres et aussi des auteurs qui font même remarque là. La troisième personne de la Trinité est si tellement négligée, l'église non yo a mouri sous pied. Parce que yo pas conscient de la présence ou là avec moi de la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi là? Nous si tellement pas fait cas de lui, nous pas qu'on l'aile pas là, nous pas qu'on l'aile là, nous pas qu'on Jean l'agit, parce que lui représente comme un souffle, et le souffle en pile fois, lui pas fait gros bruit, ou pas ouais, ou là avec moi là, mais les œuvres lui a manifesté, ou qu'on est là, ou là avec moi là. Mais c'est ça, le Saint-Esprit de Dieu maintenant en accord avec le vent et le souffle. Maintenant aussi, lui agit de diverses manières. C'est seulement le jour de la Pentecôte, l'aile venue, parce que c'était le premier jour, dans Actes chapitre 2, l'aile venue, lui obligé fait connaître que le venu. Ou là avec moi là, lui obligé fait bruit. Et là, la venue, hein? Première description que vous avez du Saint-Esprit de Dieu qui descend, il y a un vent impétueux. Ou là avec moi là. Encore le même mot pour souffle, le même mot pour cet esprit. Luc introduit comme étant un vent fort, impétueux. Parce que premier venir, il faut le faire qu'on se lit. Parce que Jésus te dit, pas déplacer, pas quitter Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez d'en haut la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ou là avec moi là. Et puis pendant il y a près de temps, jour pour jour, après 10 jours, et puis maintenant, le Saint-Esprit descend. Il est venu comme un vent. Et non seulement il est venu comme un vent, mais des personnes parlent en langue. Mais qui langue il a parlé à? Langue, tout étranger, tout juif qui était sorti des autres nations, qui parlait d'autres langues, lui parlait une langue. C'est par confusion, le mettait mon nom. Comme dans la tour de Babel, les bons dieux, maintenant où ouais, les hommes ont monté orgueil, ils ont bâti la tour de Babel, et puis maintenant, vous voyez, il y a un langage de confusion, la caillou. Mais il rétablit ça le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas un langage de confusion, non. Il y a un langage pour tout le monde qui comprend que cet esprit, bon Dieu, descend dans le cœur nous, je dis, comme vous mettez la défaite. Et puis le langage là, tout le monde comprend le message là. Oh, je parle espagnol. Je parle pas l'espagnol que je parle. Oh, je parle anglais. Je comprends. Oh, je parle allemand. Et puis, les joignons dans les disciples qui parlent allemand. Parce que le bon Dieu voit le message là. Le Saint-Esprit a parlé. Il voit le message pour tout le monde connaît, pour tout le monde comprend, pour tout le monde qui est clair, pour tout le monde qui comprend que bon Dieu descend par moyen. Cet esprit pour habiter la caïno de façon à ce que bon Dieu ait accès à nous et nous-mêmes nous ait accès à bon Dieu. Bon Dieu n'a pas parlé avec l'homme si il n'a pas le médium ça sur cet esprit. Parce qu'il est esprit. Donc la présence de l'esprit est importante. Le ministère du Saint-Esprit dans le cœur des croyants est important.
On doit être conscient de sa présence. Par guetant, pour toute semaine ça, pour nous parler de ce grand ministère qu'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Mais c'est une petite ouverture, ça que fait bien la donne, c'est souffle que je la donne. Je réponds maintenant à l'exigence du texte que vous avez, que vous m'avez donné, et dans Ézéchiel, chapitre 37, et demain, si Dieu veut, bral voyons l'autre importance encore. L'Esprit de Dieu là qui est un bagaille qui fait le mouvementer, qui fait le bouger, et s'il bagaille tout, vision souffle pas accompli. Maintenant, pour continuer, et maintenant, les bons dieux m'ont dit Ézéchiel, posez Ézéchiel une question. C'est Ézéchiel qui t'a dû poser bon Dieu question, oui. Seigneur, comment va gagner ça, Walvet? Bon Dieu posait la question, tu me dis. Vous comprenez qu'il a posé la question? C'est parce que Ézéchiel vivait au milieu de ce peuple en tant que prophète sacrificateur de Dieu. Il gagnait des possibilités pour lui-même, pour Jean Loué Kozéa, pour Jean Loué État peuple là, que pour le sentir que la font travail en vain. Et que qui a poussé au découragement? Des possibilités pour que le prophète de Dieu lui-même tombe dans le découragement parce que étant loué bagayo, complète que le recevoir, maintenant désexilé en Babylone et tout ça le fait. Et tout Jean bon Dieu montre que gloire ne disparaît. Gen côté pour Ézéchiel maintenant tomber aussi dans le désespoir. C'est comme des leaders évangéliques, tenez bien. Et comme des leaders évangéliques qui dans le ministère là, bah yo c'est tellement dû que lui-même qui gagnait mot d'honneur pour encourager, pour contribuer à la croissance, pour augmenter la foi de ses fidèles, et puis lui-même aussi l'a tombé dans le découragement, et puis il tombé dans le doute, et puis il n'a pas qu'à relever même pour le peuple que bon Dieu met devant. C'est ça que tu es presque arrivé, Ézéchiel. Bon Dieu posait la question pour le cas répondre lui-même. Ézéchiel dit, well, Seigneur, tu le sais. Il dit, well, ou connaît que me connaît, qu'on connaît que c'est où qui a fait. Ou connaît bien que nan ke moins connaît, nan ke moins connaît que c'est ou même qui connaît comment pour réparer causer ça parce que pas gain l'autre monde qui capable. Et c'est qu'elle maintenant rivé nan yon point côté que lui dit, Seigneur, c'est où gagner toute connaissance. Où connaît. Et où connaît comment pour faire. Et où pose une question. Hein? Mais où connaît que moi-même, prophète là, que où connaît que me connaît, que où connaît que c'est où même qui a résolu le problème ça. Exactement, c'est bon Dieu qui a résolu. Gen profondeur tombé, c'est bon Dieu qui a levé. L'homme tombé dans le bas fond péché, c'est bon Dieu qui a levé. Là avec moi là. L'homme perdu toute espérance, tout espoir. On prend même le, you know, les leaders, t'es capable de lever. Maintenant, parce que yo perdu espérance. Si yo perdu espérance, la difficile pour yo lever. Si cet esprit a gué mal écarté, la difficile pour lever. Mais bon Dieu qui a levé. Alléluia. Ah. Et ça fait que Jésus pral dit à monsieur dans Luc 24, 49, vous serez revêtu après la prophétie de Joël 2, 28,
En ce jour-là, m'a répand esprit moi sous toute chair. Et maintenant, il fait promesse là, c'est pour la nouvelle alliance. Et de fait, de là, les Jésus venus encore. Jésus pour rentrer, commencer son ministère. C'est pour prouver comment que le Saint-Esprit de Dieu est important dans l'œuvre du ministère. Si ce n'est pas ça, n'a bat konon, n'a crasé konon, n'a fait tout bagaille, et puis en rien pas produit, si Saint-Esprit, bon Dieu, pas premier à l'œuvre. Vous l'avez avec moi là. Tendez ça. Même Jésus, et tout, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Avant de rentrer dans le ministère là. Même la tentation de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, il a été conduit au désert par qui monde? Par l'Esprit. L'Esprit envahit toute la ville. Et même avant sa naissance, il était conçu par qui monde? Par le Saint-Esprit de Dieu. Conçu par le Saint-Esprit de Dieu. Il était toujours rempli de l'Esprit de Dieu pour les miracles et les prodiges qu'il a accomplis. Il était toujours rempli de l'Esprit de Dieu dans sa prédication, dans ses prières, dans ses miracles. Il dépendait de l'Esprit de Dieu parce que pas de moyen pour que l'Église de Dieu capable prend élan. Quel gain besoin sans cet esprit bon Dieu. Vous l'avez avec moi là. Là, on pense ça bien fort. Ça fait nous ces jeunes, à ce majorité jeunes, l'église parle bien dans mon, dans quelques 10, 20 ans, 30 ans, cet esprit bon Dieu doué à l'œuvre, le souffle, la vision du souffle. Que bon Dieu gagne, c'est pas moyen sans cet esprit là. Et, tournez avec moi dans Esaïe. Chapitre 11. Vous allez marcher sur moi. Esaïe chapitre 11. Hier soir, nous avons pris un. Apparemment, semble hier soir, nous avons pris un petit dégui. Et l'été en Jean. Dol, Éphésiens 11, verset 1 à 2. Suivez avec moi. Et encore, Esaïe chapitre 11, verset 1 et verset 2. Voici les caractéristiques de l'Esprit qui était sur Jésus, en l'occurrence le Saint-Esprit de Dieu. Un rameau, verset 1er, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de la racine d'Isaïe, maintenant qui va donner naissance à David. Et David, maintenant, qui va continuer dans sa descendance jusqu'à Jésus-Christ, rameau ça, c'est le Christ. Vous l'avez avec moi là? C'est le Christ qui possédera de cet esprit de Dieu. Maintenant, voici les caractéristiques de l'esprit. L'esprit de l'Éternel, reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel. Ici, c'est l'esprit qui domine sur lui. C'est l'esprit de qui il sera revêtu. L'esprit de l'Éternel, avant tout, il sera revêtu de l'esprit de Dieu. Donc, l'a habillé avec cet esprit bon Dieu. Et ça fait Jésus utiliser même mot ça pour dire, vous serez revêtu de du Saint-Esprit de Dieu. Ça, ça veut dire revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Gardez rad qui soit. Gardez rad qui soit moyen. Revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, imaginez au quoi pas habillé avec cet Esprit de Dieu. Combien? So collant rad là. Pas grand rien entre vous-même avec rad qui soit. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Rad qui soit. Qui moun qui n'a mis tant? Personne. Les coller avec, les attacher avec, en ou même avec, presque pas gain différence. Quand vous êtes revêtu de l'esprit, vous êtes habillé du Saint-Esprit de Dieu, en d'autres termes, ou à marcher
Saint-Esprit. Ou Jida, Saint-Esprit. Ou Abchante, Saint-Esprit. Tout son côté ouvert, Saint-Esprit. Tout côté bralé, Saint-Esprit. Parce qu'on va habiller avec. Parce qu'on ne pas quitter Wabla derrière l'absorti. Ou pas parler sans Wabla. Ou pas l'école sans Wabla. Ou pas vivre l'église sans Wabla. Ou attaché à Wabla. Et bien c'est comme ça. Si vous avez besoin de réveil dans l'église ou dans la communauté, c'est par la puissance du. Et bien c'est ça. C'est ça que l'esprit de l'Éternel reposera sur moi. Et puis, il commence à décrire. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de ça, de sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de con, de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance. Esprit de crainte. Crainte de qui monde? De l'Éternel. L'esprit d'intelligence. Ici, l'esprit de sagesse. Ouais, il vient dans trois groupes. Trois groupes. Je vais vous faire tout le détail pour vous. Il dit esprit de sagesse et d'intelligence. Premier groupe. Esprit de conseil et de force. Deuxième groupe. Esprit de connaissance et de crainte. Troisième groupe. Et puis, en lettre là, Taoua. Esprit de l'éther, de l'éternel. Donc, bon Dieu, c'est lui-même qui source connaissance. C'est lui qui source sagesse. C'est lui qui source force qu'on a besoin pour continuer route là. C'est dans cet esprit, bon Dieu, vous venez. Ou là, ou même, l'on perd du conseil. L'on pas contre côté où aller. L'on pas de direction encore. Les chemins bloqués devant. Mais le monde qui connaît leur chemin, c'est cet esprit, bon Dieu, qui n'a pas qu'à débloquer. Ça que le bon dit Timothée, well, ce n'est pas un esprit de timidité, non, que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de ça, et de sagesse. Oh, mes amis, nous vivons dans un monde où nous avons besoin de sagesse. Vous connaissez ça, mot sagesse, là, signifie bon ici, bon sens. Bon sens. L'orgue Saint-Esprit, bon Dieu, nan ou c'est moun qui fait sens. Ma kon si m'te dit ça, bon, ici, a déjà. Ou gen bon sens. Ou pas agita comme moun fou. Ou pas agita comme moun fol. Ou pas lever de même matin. Et puis pour gagner. La vie ou pas gagner. Parce que Saint-Esprit, nan ou a, li bon sens. La tout moun fou, mette tout droit. Parce que Saint-Esprit a kembe ou. Le pays a faux, mais les chrétiens, yo tête sur droite, ils n'ont pas gagné. Les politiques a fait mon faux, mais Jésus-Christ, par moyen de cet esprit, les chrétiens, solidement, fortement, dans la présence, ils n'ont pas gagné, ils pas fou. Et ça fait, les gens qui ont cet esprit, bon Dieu, pas fou. Leur est conséquent avec. L'on n'a pas joué avec. L'on n'a pas l'importance dans la vie. Là, l'on mette le sou, même j'ai avec Rob quoi mettre sous. Il est beau. Les bonnes intelligences pour qu'on connaisse volonté, bon Dieu, pour qu'on discerne ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est confort. Ou là avec ou là. Quelquefois, ou par contre, ça, bon Dieu, vous non? La Bible pas dit ou qui côté pour virer à gauche, qui côté pour virer à droite. Même là, par des connaissances que nous-mêmes gagnons. Attendez ça. Ou par des connaissances que nous-mêmes qui étudions dans le livre gagnons. Mais cet esprit, bon Dieu, gagne toute connaissance à vous. Parce que Jésus te dit, ma voix est là, c'est lui-même qui a rappelé de tout ça. Que moi t'ai dit, ou là avec moi là, la parole, pas joint nous dans nos oreilles, mais la relation à bon Dieu, par Saint-Esprit, bon Dieu, qu'on côté, qu'on t'y voit douce qui vient parler là, ou là avec moi là, qu'on t'y voit douce qui vient dire non, pas faire route ça, non, pas faire choix ça,
Frères et sœurs, bon Dieu parle, oui, mais en plus, c'est nous qui pas attendre. Bon Dieu a pas agi, oui, mais c'est nous qui pas faire. C'est nous qui pas comprendre. Et ça, comme je te dis hier, son premier message, moi, Dieu est actif. Dieu est actif. Kovlel en Haïti, même m'a dit ça. Bon Dieu vivant en Haïti. Chaque jour, ou pas qu'on est ça le fait, mais que côté le passé, les ressusciter moun, les lever moun, les prendre soin moun, les camp protéger moun, les garder moun, les porter moun, les porter manger bay moun, les ordonner bénédiction bay moun, les délivrer moun, les sauver moun. Bon Dieu vivant et bon Dieu actif dans la vie peuple. Moyen Saint-Esprit. Ça fait frère. Gen kèk bénédiction ka perdu. Gen kèk réponse à question posée ou pas tandel. Ou konsa ko pas tandel? Saint-Esprit oui ou mettre de côté. C'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit de conseil. Très bien. L'église de Jésus-Christ sur terre. Paka réussit fonctionner normalement sans la puissance, la présence, l'œuvre du ministère du Saint-Esprit de Dieu. Ou là avec moi là. Et ça fait premier bagage, acte premier 8, verset 10. Vous recevrez une puissance. C'est le premier bagage, Jésus dit. Parce que vous avez besoin de sa présence qui est une puissance dans le monde ça, ou à vivre, dans le monde ténèbres, dans le monde péché, dans le monde mal, dans le monde côté que endurci. Et puis maintenant, il y a bloqué au bord ici, il y a bloqué au bord l'autre bord. Mais le marché avec puissance là, ou à triompher dans le nom de Jésus. Vous recevrez une puissance. C'est ça le souffle qui est puissant. Le souffle que Dieu vous a donné en Adam n'est pas puissant parce que il dit tout homme debout n'est qu'un souffle. L'a démontré comment fragile la fragilité de l'homme avec le souffle qu'on joint dans Adam seulement ou pas rien du tout. Ou c'est un souffle qui paraît jodi, et puis deux moments à l'autre, bang, et puis le couper. Mais, l'on a un gros souffle, le souffle divin de Dieu, ou même expirer, mais c'est extension, la vie ou continuer devant bon Dieu, par moyen cet esprit, là avec moi là. C'est ça que fait Romains 8 pour le dire, you know, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas l'esprit bon Dieu ou pas petit bon Dieu. C'est seul cet esprit bon Dieu qui a reconnaître comme petit, l'identifier, l'isceller, l'vivre dans vous, et puis maintenant, l'y faire de vous enfant de Dieu. Ce n'est pas cet esprit de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire aucune manifestation. C'est seulement de croire en lui et croire en Jésus. Et maintenant, premier bagage, premier cadeau que bon Dieu besoin de faire avec Israël. Il dit, Mabao, Saint-Esprit. Il dit ça dans Ézéchiel 37, dans Ézéchiel 36, verset 27. Il déclarait que Mabao, yon l'autre esprit chaque fois mourant comme ça est parce que vous aviez perdu le contact ou pas un saint esprit bon Dieu ou vin tourner zosman desséché. Mais qui promesse bon Dieu fait nan avant ça, il dit mabao yon l'autre esprit. Esprit ça c'est va esprit pam. Esprit ça, c'est le Saint-Esprit que le fait promesse dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance que moi avec vous gagné jeudi en tant que chrétien. Et puis, c'est même esprit ça qui va le témoigner. L'Esprit dit
à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Oh, ou pas besoin de témoigner pour nous, l'orgue cet esprit. La petite petite, mon Dieu. Ah, oh, même si l'autre monde ne veut pas comprendre, même là, l'autre monde rejette comme petit bon Dieu. Mais le Saint-Esprit, bon Dieu, témoigne pour où, à où, dans où, dans le cœur, que c'est petit bon Dieu, ou mettre marcher ferme, ou mettre camper droite, ou mettre chanter pour bon Dieu, ou mettre lever deux mains en l'air, m'pral dans le ciel, depuis le Saint-Esprit témoigne, petit bon Dieu, ciel là, c'est pas. C'est tout ça l'a fait pour oui. Et ça le fait, oui. Tenez bien. Esprit de sagesse, esprit de connaissance, force, habilité pour comprendre, habilité pour appliquer connaissance. Eh bien, peuple bon Dieu, mais ça me vient de pour finir. Le peuple bon Dieu a vivant, mourir sans funérailles, il n'a pas chanté comme Israël. Funérailles, il n'a pas chanté parce que c'est la majorité. Et donc, à l'œil nu, pour des temps, il n'y a pas besoin d'enterrer ni son peuple exilé. Mais, nous sommes à l'espoir, bon Dieu n'a pas besoin d'enterrer, non plus tout, parce que bon Dieu a un plan pour lui toujours. Et ça que bon Dieu dit, il dit, Ézéchiel, je vais le restaurer. Je vais le mettre le campé un jour. Ma balle chair, ma balle fibre, ma balle sang, ma balle peau, et l'aime fait une balle peau, et puis m'a mis Saint-Esprit dans les. Et puis depuis là, Israël va camper. Israël va devenir un peuple nouveau. Voici le renouveau du souffle. Que nous soyons un peuple nouveau, guidé, dirigé, contrôlé par l'Esprit. C'est ça que fait. M'a prêté parole Zacharie. Zacharie 4, verset 6, qu'on connaît très bien, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. There is pas une pièce moyen pour l'Église sortie vainqueur, pour l'Église qui mourit réveillée. Je ne parle pas de l'église baptiste, non? Je ne parle pas de l'église pentecôtiste, je ne parle pas de l'église méthodiste, je ne parle pas de l'église de Dieu, je ne parle pas de l'église de Jésus-Christ, l'église militante de Jésus-Christ. L'église, bon Dieu, besoin de camper sous pied pour le cas dominer terre, c'est pas mon esprit. Pour le réveil d'Israël de son sommeil de mort, bon Dieu dit, c'est pas mon esprit. Pour le réveil des églises assommées par l'ennemi d'une manière ou d'une autre, ce sera pas mon esprit. Pour la régénération d'un peuple capable péri qui mourit dans mi-temps, non, c'est pas par l'autre moyen, mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force de personne, mais c'est par l'espérance, peuple a perdu, l'espérance l'a détruit avec même monde, même peuple là. Le peuple a perdu vision. Les chrétiens sauvés perdu vision dans le monde là. Le peuple bon Dieu a perdu présence bon Dieu. Il perdu contact bon Dieu au point que l'a cherché solution ailleurs dans les autres institutions. L'a cherché solution. C'est ça qui passe. Dès pour perdre vision souffle là ou chercher tout l'autre moyen pour jouer une solution, parce que cet esprit bon Dieu va pas l'avoir encore. Ou dead. Et puis, on va chercher dans tel domaine, on va chercher solution dans tel domaine, ou penser c'est l'autre,
dans telle position et pour penser c'est l'eau monter dans telle situation et pour pas résoudre problème peuple ou pas qu'à résoudre problème peuple qui tombe dans la désolation, c'est bon Dieu seul qui a une solution, hein? Mais c'est pas mon esprit. C'est la solution. Laisse sous Saint-Esprit, bon Dieu, sous petit bon Dieu. Laisse Saint-Esprit sous, l'habille avec elle, lui retirer tout sentiment de peur, les borillons sentiment de triomphe, de vainqueur, ou là avec moi là. Les borillons sentiment, lui retirer tout sentiment de tremblement devant ennemi, devant le monde, et puis les borillons sentiment de force, de courage pour camper, même dans les dures épreuves, dans les difficultés, ou pas faire lâche, ou pas courir pour Satan, ou pas courir pour le monde, ou camper, parce que cet esprit bon Dieu est sur toi, les bons courage pour avancer. Même l'autre a voulu larguer ça, mais cet esprit dit camper. Parce que son esprit de force, depuis, de puissance. Mais ça, on a mon ou pas connaître ça. Mais ça, on a gagné en main. Mais ça, bon Dieu, vous dites qu'on a gagné en main. Ou gagné en plein main. Bon Dieu, va rouler. Mais on a quitté le côté. On va faire cadeau de lui. Et puis, on a cherché toute solution dans le monde. On a pas entré dans la sphère. Monde là, pour nous chercher solution pour le peuple, bon Dieu. T'as Dieu a une adresse en Haïti. Bon Dieu a une adresse en Haïti. Ou bien, qui côté bon Dieu aide? Dans l'église, bon Dieu. De samedi. Bon Dieu a une adresse en Haïti. Et tout le monde qui a besoin, bon Dieu, c'est dans l'église, bon Dieu. Dans l'église, côté cet esprit qui possédait cet esprit, bon Dieu. Yeah. Est-ce que l'église est avec moi là? Nous ne pouvons pas chercher bon Dieu dans le monde là. Bon Dieu là dans le temps. Parce qu'il dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, qui côté lié, je suis au milieu de. Bon Dieu, qu'on adresse en Haïti, de mon frère. Mais l'adresse là, c'est dans l'église côté cet esprit bon Dieu campé. Dans l'église côté cet esprit bon Dieu à l'heure. Dans l'église côté leader soumet à Saint-Esprit. Dans l'église côté leader conduit par Saint-Esprit. Dans l'église côté prédicateur prêché par Saint-Esprit. Dans l'église on prend côté moniteur à enseigner par Saint-Esprit. Dans l'église côté chorale à chanter par Saint-Esprit. Dans l'église côté mon à témoigner sous compte Saint-Esprit. Dans l'église côté Saint-Esprit a fait merveille. Dans l'église côté Saint-Esprit a travaillé. Dans l'église côté Saint-Esprit a mené mon vini sur le monde là, vina présence bon Dieu pour vous sauver. Dieu a une adresse en Haïti et son adresse c'est dans l'église de Jésus-Christ. C'est pas dans Baptiste dit non. Badi na pentecôtiste non, badi na méthodiste non, dans l'église bon Dieu. L'église Jésus-Christ. L'église Jésus-Christ, c'est moun qui gain Saint-Esprit bon Dieu sou yo qui c'est temps bon Dieu. Est-ce que l'église là avec moi? Donc, la vision du souffle nouveau, c'est un renouveau avec la troisième personne de la Trinité par un esprit, l'esprit de Dieu. C'est pas mon esprit. C'est un bon. C'est l'église militante de Jésus-Christ, les dirigée, dominée par mon esprit. Sinon, il y a besoin de réveil dans la prière. Pas de l'autre bagaille qui a mené réveil dans la prière. C'est l'église Jésus-Christ, côté Saint-Esprit, bon Dieu, chef. Est-ce que là, avec moi, là? Pas de l'autre couche sociale qui a mené réveil que bon Dieu souffle là, qui a besoin. Pour mener un renouvellement dans le pays, dans l'église. Dans la vie, peuple, bon Dieu, pour ici, c'est par mon esprit. Vous comprenez? C'est ça que fait quand il a dit, well, rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Et ça, vous avez dit, oui, dans 107, 109,
Rends-toi maître de nos âmes. Rends-toi maître de notre personne. Rends-toi maître de nos églises. Rends-toi maître de nos leaders religieux. Rends-toi maître de notre communauté. Mais ça, bon Dieu, vous demandez pour faire ma terre. Seigneur, sois mon maître. Esprit Saint, Esprit d'amour. Et de tes divines flammes, embrasez-nous. Oh! Fais-nous vivre en vous. Fais-nous vibrer en vous. Fais-nous chauffer pour. Embrasez-nous en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence. Reviens-nous de ta puissance et baptisez-nous de Esprit de Dieu. Baptisez-nous de feu. Dernier souffle a dit, Esprit de vie, Esprit de gloire. Conduis-nous comme ça de jour en jour. Et cela est de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Mais il faut que leader noyo, l'église noyo, responsable de l'église yo, connaît que gon présence déjà en Haïti, nous allons chercher de l'autre côté. Présence bon Dieu, adresse bon Dieu, c'est dans l'église bon Dieu lié, parce que c'est moun cet esprit bon Dieu réuni ensemble pour louer bon Dieu. Ou là avec moi là. Donc c'est là pour ceux qui ont besoin de présence bon Dieu à soi. Vin bon ici. Ou même quand vous écoutez sur la radio, si vous avez besoin de jouer avec bon Dieu, c'est dans l'église bon Dieu. C'est dans la présence bon Dieu que cet esprit a mérité. Dites-toi, soyez, Seigneur, possédez-moi tout entier. Saint-Esprit, embrase-moi de feu et bonne victoire. Sous tout ossement desséché, bonne victoire. Sous tout esprit de désespoir, là, levez-nous, mettez-nous campés. Et baptisez-nous de feu. Que bon Dieu fait de vous yon engin, yon puissance. Ou là avec moi là. Koto campé, koto dormi, nan coin koto dormi. L'eau campon côté pour que Saint-Esprit prenne zone nan, li gaye zone nan, li domine zone nan. Parce que petit bon Dieu là. Que bon Dieu bénisse. Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, réveille-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Bon Dieu, Papa, nous disons merci pour la parole que tu as parlé, qui pénétrait les cœurs et les cœurs touchés. Le quitter, Seigneur, agit en nous par le Saint-Esprit. Nous faibles dans le cœur et nous faibles dans la chair pour nous résister devant l'ennemi. Mais nous connaissons l'esprit de vie. L'esprit de grâce, les capables de conduire de jour en jour, de victoire en victoire. Oh, formez-nous pour le service. Formez-nous pour le service. Seigneur, nous besoin d'une puissance à soi, un souffle nouveau, le Saint-Esprit. Ne pas oublier, Seigneur, mon Dieu qui est tombé, qui est abattu, qui n'a Valé de sécher à soi. Oh Seigneur, soufflez sur nous l'esprit. Soufflez sur nous l'esprit. Même Jean, je prends une côte là. Pour nous capables de jouer une force pour nous voler. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous revenons fin service là. Nous avons dit si quelqu'un là dans la salle là qui tendait la parole de Dieu. Pas quitter ça là sans prendre Jésus-Christ pour sauver la vie. C'est donc le temps favorable
ce moment par et soit coûté non sous radio la côté si vous senti bon Dieu parler avec vous ou qu'a prendre décision et au carré les dans téléphone qui te mario pour capable faites causer avec nous et n'a pas aidé prier frères sœurs ou même qui à l'hôpital qui dans prison qui démoussolique déprimé que bon Dieu fait souffler sur vous souffle la vie à souffle l'esprit nous recevons la grâce l'amour du Dieu le Père la douce et intime communion du Saint-Esprit demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toujours amen.